Bienvenue à tous. Welcome to Reporters Plus here on France 24. I'm Mark Owen. As the largest ever terror trial in France is about to get underway here in Paris, we take a look back at the events that shook the country. November the 13th, 2015, a date now indelibly etched in the minds of French people. An eyewitness has told his story through his own perspective. He's Daniel Fasseni, a journalist with the newspaper Le Monde. He has a unique insight on the horrors that unfolded quite literally just outside the window of his apartment. This film directed by Mustapha Kessous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques années, j'ai fait un voyage à Jérusalem en souvenir de mes parents et de mes grands-parents. Je me rappelle que la vieille ville baignait dans une belle lumière sauvage. Du belvédère, je pouvais voir le mur des lamentations et l'esplanade des mosquées, ce carrefour des religions comme le racontent les guides. Sans trop y croire, j'ai sacrifié à la coutume, mais je ne savais pas quoi écrire. Alors un peu par provocation, j'y ai inscrit mon numéro de téléphone. Si Dieu existe, il m'appellera, me suis-je dit. Puis j'ai déposé un petit papier dans les crevasses du mur. Bien évidemment, je n'ai jamais reçu de coup de fil de qui que ce soit. Le 13 novembre 2015, j'ai été à la fois observateur, sauveteur, victime, puis miraculé. Et je me plais à croire que ce soir-là, il a peut-être pensé à moi. Finissons notre après-midi d'audition en attendant maintenant Monsieur Daniel Fasseni. Bonsoir monsieur. Vous êtes journaliste au Monde. Vous avez été victime vous-même lors des attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan. Et c'est vous qui avez d'ailleurs filmé la fuite des spectateurs du Bataclan. Moi j'étais photographe longtemps. J'ai ma carte de presse depuis 1977, donc maintenant je suis journaliste honoraire, comme on dit. J'ai traversé les meilleures périodes, sans regret ni remords, c'était super, on a fait les meilleurs journaux, il y a eu Le Matin, Libération, Le Monde, bien évidemment. Je pense que c'était bien, moi, de tourner la page. Alors, ça se tombait avec cet événement absolument tragique, mais... En tout cas, il y a une concordance des temps et qui m'a poussé à tout ça. Le 13 novembre 2015, c'est un hasard. Je rentre dans l'histoire par hasard. Bonjour.
13 novembre, je devais aller à la maison de la radio écouter un concert de musique de film, parce que j'aime beaucoup ça. Et puis, pour X raisons, j'ai renoncé, et donc je suis rentré travailler un peu ici, me reposer, c'est un vendredi 13. Sarah, ma femme, n'était pas là, elle était retournée à Budapest, j'étais tout seul à Paris. Il y avait ce film avec Jean-Hugues Canglade que je voulais voir. La cible est verrouillée. C'était une histoire de flic repenti. Vous m'entendez ? Personne ne bouge. Et donc, je le regardais d'un œil, en fait. Négatif, personne ne tire. Et puis, bon, à 10h moins 20, j'ai entendu comme des coups de feu, enfin des coups de pétard. En entendant ces bruits, je pensais que c'était dans le film. À un bout d'un moment, j'ai entendu que les tirs étaient beaucoup plus forts que dans un film. Et que ça tirait beaucoup. En plus, c'était en rafale. Et là, j'ai compris que ça se passait plutôt dans la rue qu'à l'écran. Je suis allé ouvrir la fenêtre pour vérifier. C'est là que j'ai vu que j'entendais des coups de feu, et puis des gens qui fuyaient, qui criaient. Et là, je me suis dit, bon, il se passe quelque chose de très grave. Et par réflexe journalistique, je fais des photos. Au départ, je pense que c'est un règlement de compte dans le Bataclan. Qu'un mec a sorti un pistolet, a commencé à tirer, et que bon, tout le monde a fui, bien évidemment, de panique. Voyant que c'est ça, je téléphone au journal et en fait, j'avais que le numéro de Benoît Hopquin, un des rédacteurs en chef du Monde. Et je lui dis, écoute, là, je suis chez moi, il se passe quelque chose de très grave au Bataclan. Et c'est là où il me dit, il y a eu déjà plusieurs fusillades dans Paris. Je me suis dit, je filme là. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai jamais vu, hein. Jamais vu ça. C'était la première fois que je voyais ça. C'est extrême. Quand tu comprends que c'est très grave, t'as cette illusion de la protection. T'es derrière l'écran et tu te sens protégé. À un moment donné, je suis à la fenêtre et il se passe plus rien. Je vois des gens étendus devant la porte du Bataclan, des téléphones qui scintillent. Sûrement des blessés qui essayent d'appeler ou des morts parce qu'ils ont sorti leur téléphone par réflexe. Mais il n'y a plus de tirs, il n'y a plus de cris. Même si je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, indirectement, il y a de la résistance. Il y a des mecs que je vois qui se font tuer. Donc je ferme cette fenêtre et je décide de descendre. Je prends le chargeur du téléphone. Je mets mes chaussures que je lasse pas. Je suis en chemise. Tu vas jusqu'au bout de ta démarche, mais tu n'y penses pas, ça. C'est que tu vas aider les gens qui sont dans la pire des situations, c'est-à-dire qu'ils soient blessés, agonisants. Ça paraît évident pour moi. Et là, prudemment, j'ouvre la porte, je me penche un peu pour voir. J'y vais prudemment, je ne sors pas au milieu de la rue. Et là, c'est pareil, il n'y a plus de tir, rien, un silence terrible.
La plupart des corps sont devant la porte du Bataclan, et il y a juste quelqu'un, en t-shirt rouge, qui est à 10 mètres, en gros une dizaine de mètres, sur le trottoir. J'y suis allé très prudemment, et donc je me suis penché sur lui, et j'ai vu qu'il était vivant. Et donc avec un autre gars qui était au milieu de la rue, je ne sais pas ce qu'il faisait là, enfin, c'était surréaliste là, parce que là pour le coup, le type était au milieu de la rue quand même. Et donc on l'a tiré pour le mettre dans le hall, pour pas qu'il soit exposé au cas où ça retire. Et le type en noir disparaît. Et donc je tire Matthew un peu plus sur, je sais pas, un mètre, pour pouvoir fermer cette porte. Comme c'est calme, je rappelle Benoît pour lui expliquer voilà ce qui se passe, que j'ai sous les yeux une dizaine de corps, enfin des gens qui ont fui par la porte par dizaines voire centaines, mais il y a des morts, je lui dis. Et là, une grosse brûlure sur le bras. Mais le téléphone tombe par terre dans le hall. Je sais pas pourquoi, je perds mes chaussures. Et je comprends que là, j'ai pris une balle. Et bon, le sang qui pisse, je suis conscient, mais quand même, comme quand on a pris sûrement un coup de poing, enfin quelque chose, on est secoué. Et je dis, bon, si je tombe, je suis mort. Si je reste debout, c'est que je suis vivant. Benoît, après, qui m'a dit, il avait attendu, je crois, 7 minutes avant que je reprenne le téléphone pour lui dire que j'étais en vie. Mais sur le moment, c'est de sauver sa peau, c'est de se dire, bon, là, je suis vraiment blessé, pris une balle, il faut vraiment que j'aille à l'hôpital. Et comment? Comme ça pissait tellement de sang, j'ai enlevé ma chemise et je me suis fait un garrot. Tu fais comme tu peux avec les dents, avec l'autre main, enfin bon, tu te débrouilles, c'est assez clair. Et là, bon, je me suis dit, je vais appeler mon voisin Bruno et Estelle, qui habitent au quatrième, pour qu'ils viennent m'aider. On s'est fait la promesse qu'on serait parti avant la date anniversaire. T'as juste envie de passer à autre chose. Que ta vie ne tourne pas que autour de ça. Bruno avait vraiment beaucoup de mal. Il me disait qu'il n'en pouvait plus de ce passage. Je crois qu'aujourd'hui encore, quand on y retourne, il préfère éviter. Il revoit des choses que moi, je vois pas. J'ai pas vu de mort de près, j'ai pas vu des images qui, lui, l'ont choqué. L'image qui me hante le plus, c'est un homme qui court et l'arrière de sa tête qui éclate. Pendant les premières semaines, chaque fois que je passais dans la rue, je revoyais ça. Mais ici, j'en ai parlé à personne. Et je pense que c'est ce que je voulais, en fait. C'est ce que je cherchais en déménageant à l'étranger. J'oublierai jamais, mais c'est en train de passer du traumatisme au souvenir. Ce vendredi 13, j'avais posé ma journée pour passer un peu de temps avec Clément. Il y avait une sortie, on était au musée Picasso le matin même. Elsa, notre fille aînée, était en classe cuisine avec l'école, donc elle devait rentrer le samedi. On regardait le match à la télé. Il y avait le match au Stade de France, tout le monde s'en souvient. Et là, déflagration pendant le match de foot, enfin explosion. On a entendu boum et puis même on a entendu les commentateurs qui s'interrompent et qui se demandent aussi ce qui se passe eux-mêmes probablement. Ouais, moi j'ai pensé à un projecteur qui claque. Antonio Rüdiger. Ça continue à jouer, la France marque.
Devant Hummels. Et à un moment, dans la rue, on a entendu un bruit qui ressemblait à un bruit de marteau-piqueur. Et puis très vite derrière, on a entendu des cris, des gens qui hurlaient. Donc on s'est précipité à la fenêtre, on a regardé ce qui se passait. Je repense aux frères Kouachi, Charlie Hebdo, et je me dis que c'est ça. Et Charlie Hebdo, c'est trois rues plus loin. On comprend que c'est un attentat. Pour moi, c'est comme une scène de film, le débarquement, les gens qui courent sous la mitraille. J'ai mon gamin qui dort dans sa chambre. Clément, il a 5 ans à ce moment-là. Je veux pas qu'il voit ça. Donc moi j'appelle le commissariat qui me répond « Madame, on peut pas vous aider ?» Et donc là je dis « Non, non, mais il y a des tirs là au Bataclan. Madame, il y a des tirs partout dans Paris. » Et là il y a des tirs au Bataclan. Au Bataclan, vous êtes sûr ? Je dis « Mais oui, j'habite au-dessus, je les vois là. Les gens sont en train de courir dans la rue. » Et là je l'entends dire « Ça tire au Bataclan. » Donc je raccroche me disant « En fait, ils sont pas au courant. » On n'a aucune idée de l'ampleur de ce que c'est. Tout de suite, il y a mon téléphone qui sonne. Et c'est Véronique, la voisine du dessous, qui me dit « Je sais pas ce qui se passe, est-ce que je peux monter chez vous ?» Alors j'attends que Véronique monte. Et donc pendant ce temps, ouais, on est figé devant la télé, il y a des bandeaux qui défilent en bas de l'écran, qui annoncent des attentats. Je suis tétanisé. Je suis debout, immobile, je sais pas ce qui se passe. Je suis un morceau de bois à ce moment-là. Je sursaute. Et c'est Estelle qui décroche. Ouvrez-moi, je suis blessée. J'ai demandé c'est qui. Elle dit mais c'est Daniel, je suis blessée, venez m'ouvrir. Et je raccroche et je dis putain, il y a Daniel qui est en bas, qui est blessé. Faut que je descende. Je réfléchis pas, hein, c'est très instinctif. Et là, je prends peur. Parce que pour le coup, c'est un contact direct avec l'extérieur, c'est quand même une situation assez angoissante. J'étais mort de trouille. Je serais pas allé me mettre en danger si on m'avait pas appelé. Quand j'arrive en bas, je vois donc Daniel qui est debout, qui se tient le bras, et à ses pieds, un homme qui est face contre terre, et qui est dans un bain de sang, vraiment, il y a du sang partout. Et je dis à Daniel, bah entre, prends l'ascenseur, monte au quatrième, il y a Estelle et Véronique. Et là je me retourne et je vois que Véronique, elle est en bas aussi. Je sais pas pourquoi elle m'a suivi. Je m'attendais pas à ça. Dans le passage, moi j'y étais depuis environ 15 ans. J'ai pas bien connu mes voisins non plus tout de suite. On s'est vraiment connus sur la soirée en fait, dans des drôles de circonstances. Moi j'avais du mal à parler du Bataclan en fait. Parler d'autre chose, mais pas du Bataclan. Quelque part, j'ai été touchée, pas physiquement, mais il y a un impact dans la vie, quoi. Paris était devenu compliqué à vivre pour moi. Pendant 2 ans, même s'il y a eu un suivi psychologique, il fallait que je rentre avant la nuit.
Ça m'angoissait d'être à l'extérieur la nuit. Et ça, le fait d'être reconnue victime, oui, a eu son importance pour la reconstruction. Je n'étais pas censée du tout être là. Quelques heures avant, j'étais à l'étranger et je ne devais pas rentrer. Ça faisait 2 mois et demi que j'étais en tournage au Maroc. Et sur une série pour la télé qui traitait de géopolitique et d'espionnage industriel. On a eu beaucoup de faux sang sur cette série, beaucoup de maquillage, d'effets spéciaux, de gens blessés. Et c'est un tournage qui, quelque part, m'a préparé à l'histoire du Bataclan. Nous, on devait finir de tourner quelque chose comme le 17 novembre, donc je devais être encore au Maroc à ce moment-là. Et le hasard a voulu que je rentre le 13, une heure avant l'événement au Bataclan. Et c'était très étonnant parce que voilà, après j'arrive au Bataclan et je revois exactement la même chose, et là, c'est plus du faux. Quelque chose comme ça d'un peu particulier où ce que je voyais, je pouvais quelque part, mon cerveau l'accepter. Accepter ce que j'étais en train de voir puisque je l'avais déjà vu auparavant. Quand je suis arrivée à la maison, il était quoi, 20h, 20h30. J'étais sur mon lit, je me suis dit bon, je vais m'endormir et puis je profiterai pleinement de mon arrivée demain. Là, je suis fatiguée, je vais dormir. Et puis j'ai commencé à entendre un bruit dans la rue comme on peut l'entendre régulièrement. Je me disais c'est bizarre cette sortie de concert, c'est pas tout à fait comme d'habitude. Je me suis levée, je suis allée au niveau de la cuisine pour regarder ce qui se passait dans la rue. Là, j'ai commencé à entendre crier. À ce moment-là, c'est qu'on comprend ce qui se passe et on comprend rien en même temps. Moi, je me suis retrouvée recroquevillée en protection parce que, ne sachant pas ce qui se passait vraiment dehors à l'extérieur, je me suis retrouvée comme ça à me protéger et j'ai entendu la voix de Bruno en haut et donc je l'ai appelé. Du moment où moi je me suis mis dans l'action avec Bruno quand on est descendu, à partir moi de ce moment-là, la sensation que j'ai eue, c'était plus moi quoi. On sent que la réflexion se focalise que sur une chose, aider ceux qui souffrent. Quand je suis arrivée en bas, il y avait du sang partout. Moi, je me souviens avoir me dire, c'est pas possible de voir... cet homme ne peut pas perdre tout ce sang. Un homme n'a pas autant de sang. C'est pas possible pour moi. Donc, ils sont montés tous les deux et je me suis retrouvée toute seule en bas avec ce monsieur là qui avait la face contre le carrelage, il y avait du sang partout. Il avait une jambe complètement abîmée avec une grosse mare de sang.
Et je lui ai mis la main sur l'épaule et j'ai un peu pressé quand même pour voir s'il réagissait parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas du tout réagi. Et puis, il a un peu bougé, il a un peu grogné. Et puis, je lui ai dit un truc très particulier. Ça, je m'en souviens, j'ai dit, t'as l'air vachement sympa, toi. Tu vas passer la soirée avec nous. Quand je redescends, à ce moment-là, je croise Véronique qui, elle, remonte. Je dis, monte au quatrième, il y a Daniel. Donc quand j'arrive en bas, c'est grand allumé parce qu'il y a la lumière automatique. Et je me dis, si le ou les tireurs sont dans la rue, ils vont voir la lumière et ils vont venir. Et donc je dis à Mathieu, faut pas rester là, faut qu'on se cache. Je pense que lui, à ce moment-là, se sait à l'abri. Et donc il me remercie. Il parle en français avec un fort accent américain. Et tout de suite, il me dit merci, alors j'ai encore rien fait pour lui. T'es un ange, je t'aime. À ce moment-là, je pense que lui était très soulagé. Et donc, il m'a fait une déclaration d'amour. Pour moi, là, le plus dur est fait. Là, on va pouvoir se barricader, se retrancher, fermer la porte à clé. Mais à ce moment-là, moi, ma hantise, c'est qu'ils entrent dans l'immeuble. Nous, on essaye d'appeler les pompiers, on essaye d'appeler le SAMU, on rappelle les commissariats, ils prennent l'adresse, ils prennent nos noms, ils disent qu'on est passage Saint-Pierre-Amelot, 14. Ils nous disent, on ne sait pas si on peut arriver jusqu'à vous, tenez bon. Daniel est super agité. Il prend son téléphone, il appelle, il regarde, il cherche un chargeur parce qu'il se dit qu'il n'aura pas assez de batterie. Le problème, c'est que j'ai cette vidéo et je n'arrive pas à l'envoyer. Pour moi, quand je l'ai vu là, c'était un journaliste de guerre. Il avait de l'image, il faut la faire passer aux collègues. J'ai souvenir de ça, je me disais, mais cet homme ne se rend pas compte de la blessure qu'il a. Il était aussi, je pense, en état de choc et avec une dose d'adrénaline, il tenait pas en place. Il est dans tous les sens, il parle très très fort. Je me souviens de lui avoir dit, tu baisses le son ou je t'assomme. Tu vas pas réveiller mon fils là, il faut pas qu'il voit ça. Et à l'inverse, t'as Mathieu, qui est allongé, immobile, tout pâle. On est moins inquiet par l'aspect de la blessure de Daniel que celui de Mathieu, qui a vomi. La blessure a l'air assez moche, quoi. Tu te demandes l'os, le truc, enfin, c'est moche. Notre idée, c'était de le faire parler. Donc on apprend qu'il bosse chez Google, qu'il est américain, que le 11 septembre, il nous raconte qu'il était déjà à New York. Et je pensais qu'il délirait, en fait. Je me suis dit, c'est pas possible, il peut pas vivre deux attentats dans sa vie. Et à un moment donné, là, vers 11h, j'ai commencé à sentir que tu faiblis, quoi. Enfin, je faiblissais physiquement, toi, t'as plus la même... T'es plus lent, quoi, disons. Et là, je me suis dit, purée, là, ça sent mauvais. Je me souviens, il m'a dit Estelle, mais je peux pas crever, il faut que je te dise un truc. Lorsque j'étais allongé par terre, ce qui me désespérait aussi, c'est que 3 semaines plus tôt, je m'étais marié avec Sarah. Il était réuni tous les amis, tous les copains, la famille. Il y avait mon fils Élie qui était venu, c'était très émouvant. Et je me disais, mais comment je vais faire? Je me suis marié et je vais mourir. Ma grande préoccupation, c'était se demander combien de litres de sang on a dans le corps. Parce que vu le sang qui pissait comme ça, je me suis dit, mais attends... Si j'avais su que c'était que Silly, j'aurais paniqué. Parce que Silly, ça part vite, quoi. Donc moi, j'ai voulu passer mon pouce et lui faire un point de compression sous l'aisselle, en fait. Et quand j'ai mis mes 2 pouces, je me souviens, sous son bras, et j'ai senti mes doigts rentrer dans sa blessure à l'arrière. Et ça, c'est une sensation qui me reste vraiment très fort, de sentir les chairs. Les chairs et la chaleur du sang. Tu te
dit que tu vas mourir. Et qu'est-ce qu'il faut faire avant de mourir? Et contrairement à ce qu'on dit, tu ne vas pas redéfiler ta vie. Et en plus, je me dis, putain, là, pour Matthew, c'est cuit, quoi. Parce que lui, dans l'état où il est, il va jamais s'en sortir. Élie, ce soir-là, mon fils, était à côté du cercle d'hiver devant le match de foot, la France-Allemagne. Lui, il a toujours vécu ici, il était avec ses potes, mais il aurait pu être très bien au café du Bataclan pour voir le match. J'ai tout de suite appelé Élie, je lui ai dit « tu sors pas, tu restes dans le café ». Il me dit « qu'est-ce qui se passe ?» Ben, je lui ai dit « il y a un truc au Bataclan très compliqué, là, mais tu ne bouges pas du café du cirque, tu restes là ». Et donc, bon, il m'a rappelé plein de fois. Alors, je lui dis, ouais, je suis blessé, là, bon, j'attends les secours, enfin, je lui raconte ça. Et il me dit... Papa, pars pas. Direction tout de suite, le Bataclan où des coups de feu sont entendus autour de la salle de concert. Antoine Gignot, vous êtes sur place. Oui, des rafales de Kalachnikov et deux énormes détonations il y a quelques minutes, semblables à des explosions de grenades. Ça s'est passé à quelques dizaines de mètres d'ici. En parallèle, vous entendez derrière moi les encore quelques détonations, notamment dans les rues qui sont à l'arrière du Bataclan, dans la direction du cirque d'hiver. À un moment donné, c'était juste à minuit, donc ça faisait quand même 2 heures qu'on était là-haut. Hein. Là, il y a eu l'assaut, enfin on a entendu, les volets étaient fermés, mais on ne voyait pas. Hein. On a entendu le bruit, et là, les murs tremblaient. C'était des tirs, enfin des bruits de calage, de tout, enfin ça pétait de tous les côtés. Véronique et Estelle, elles étaient recroquevillées contre un mur de terreur. C'était vraiment le terrorisme. Tu voyais ce que c'était le terrorisme. La traduction du terroriste était terrorisé. Pour moi, si j'ai survécu à l'entrée de l'immeuble, je ne vais pas mourir là. On sait que les policiers sont là. On entend les sirènes, on entend les explosions, et puis à un moment, plus rien. Donc on attend un peu, et à un moment, je rouvre la fenêtre, et là, je vois un cordon de policiers. Et donc là, je les appelle. Et donc pour me voir, ils me braquent. Donc là, je suis comme un con, les mains en l'air. Et je leur dis, on a des blessés ici dans l'appartement. Ils sont rentrés dans le hall. J'ai hurlé dans la cage d'escalier que je descendais à pied pour laisser l'ascenseur pour Matthew, pour l'évacuer. Avec mon garrot, enfin, j'étais torse nu, en sang. Et arrivé sur mon palier au deuxième. Et je lui dis, attendez, oh, là je suis blessé. Il pensait que j'étais soit un sniper ou un terroriste qui fuyait, qui était sur un toit, enfin... Et là, ouais, c'est l'absurdité totale. C'était une grande panique quand même, là. Personne ne savait ce qui se passait. Et le flic en civil, il m'a laissé passer. Et heureusement, parce que je ne sais pas comment ça serait passé. Et moi, là... Si je me fais flinguer, parce qu'il y a une confusion, enfin, c'est la grosse bavure. Tu te dis, là, tout va mal, quoi. Mais bon, ça s'est pas fait, il y a eu le miracle. À ce moment-là, je suis sorti de l'enfer. Mon destin m'appartient plus, enfin, d'une certaine manière.
Bon, là, je suis entre les mains des médecins. Ils me précisent simplement que j'ai tous les nerfs brûlés, que ça a fait un effet blast dans mon bras. Et puis, quand j'ai été un peu plus réveillé, je sortais un peu de l'anesthésie, je me suis dit, Mathieu, qu'est-ce qu'il est devenu? Parce que j'avais pas de nouvelles, je savais pas du tout qu'il était devenu. Le destin fait qu'il était à deux chambres, enfin, on était à côté. Quoi. Et là, on s'est retrouvés, je suis allé le voir, parce que moi, je pouvais marcher. Il avait été opéré, je crois aussi. Et donc, on s'est un peu raconté, parce qu'on n'essayait absolument pas. Il m'a raconté comment il s'est extirpé de la salle, parce qu'il avait un tas de chance sur son dos. Enfin, au-dessus de lui, il était blessé. Il essayait de sortir, et dans son idée, c'était... Bon, il ne pouvait pas marcher, mais surtout qu'il y avait beaucoup de monde sur lui. Sur la porte de secours, il y a un petit renfoncement, et donc tu peux t'accrocher. Et donc il a mis ses doigts visiblement accrochés, et par la force du désespoir, il a tiré malgré les mecs qui étaient sur lui. Il s'est déchiré tous les muscles du dos tellement il a tiré, et il a réussi à s'extirper de ça. Il a roulé sur le trottoir d'en face, pour pas être dans la masse, et donc il s'est retrouvé où moi je l'ai pris. La boucle est bouclée. En fait, elle n'est pas bouclée parce que démarre autre chose qui m'échappe là, totalement, c'est le côté média. Et là, ça s'emballe beaucoup. Dans cet emballement médiatique, t'as toutes les télés, tous les journaux, du monde entier. Et là, il y a un engrenage qui se met en place qui est très très dur à gérer. Moi, j'ai toujours travaillé dans l'ombre. Et là, tu rentres dans la lumière avec un cirque médiatique. Je me suis dit, de toute façon, le film servira comme un document de preuve. Et puis, peut-être pas, mais en tout cas, voilà, ça sera une des... Il se passe quelque chose, et en tant que journaliste, on témoigne. Les réseaux sociaux, les chaînes infos, les précipitations, cette immédiateté, c'est quand même très violent. Tout le sentiment complotiste, enfin tout est arrivé avec les insultes, jusqu'à démontrer le lendemain que les images étaient fausses. Alors est-ce qu'il fallait diffuser ou pas ces images? C'est une question aussi. Je pense que oui, parce que c'est un témoignage chez les faits. Là, c'est dur comme image, mais c'est une réalité, on ne peut pas la nier. C'est la preuve par l'image aussi, c'est-à-dire que les témoignages, c'est fragile. Si je n'avais pas eu les images, j'aurais raconté que les gens tombaient les uns après les autres avec des coups de feu. Et surtout qu'il y avait une femme enceinte accrochée à la fenêtre qui était prête à tomber. On aurait légitimement mis en doute mon témoignage. Bon, les images, voilà, ça se passe de commentaires. Même s'il y a eu des dérives autour de cette vidéo, la réalité des faits, comme on dit, les faits sont têtus, voilà ce qui s'est passé. Moi, j'étais pas dans la victimisation. C'est-à-dire, je me considérais pas comme une victime. Je m'en étais sorti miraculeusement et bien, plutôt bien, donc tant mieux. Et donc, je continuais ma vie. Ma vie de 20 ans à 62 ans, c'est ma vie ici. Donc, c'est quelque chose d'important, c'est plein de souvenirs, des très bons souvenirs, des souvenirs très cruels, très durs. Pour moi, c'était aussi une forme de résistance. C'est-à-dire, tout le monde m'a demandé, mais tu déménages pas? Enfin, j'ai dit non, ça veut dire que si je déménageais, c'est eux qui gagnent. C'est-à-dire, pourquoi je fuirais, moi, un lieu qui est le mien, que j'ai investi, que j'ai construit? Ça veut dire qu'ils gagneraient. Donc, même si j'avais quand même cette angoisse qu'on vient de me tuer chez moi. Et moi, mon angoisse, qui remontait souvent, c'était que effectivement j'ouvre la porte chez moi et qu'il y a un tueur qui me tue. Et ça m'a poursuivi assez longuement.
C'était difficile, mais c'était au fait de tout ce que j'avais pu accumuler pendant cette soirée, du voisin qui pensait qu'il y avait un tueur qui allait venir dans le hall et nous abattre. Et donc ça a dû travailler et tout ça. Et effectivement, il y a eu ce traumatisme, bon, qui n'existe plus maintenant, mais qui était « je vais me faire tuer ». J'ai tous les nerfs qui sont brûlés. J'ai deux doigts que je sens plus. Ça fait mal, quoi. Ça pique comme si tu étais en permanence piqué par des milliers d'aiguilles dans les deux doigts. Et les muscles qui s'atrophient. Ce qui est un peu embêtant parce que moi j'aimais bien jouer de la guitare et je peux plus en jouer. Ma vie, elle a changé le 13 novembre parce qu'il s'est passé un événement fondamental. Et je quitte ici. Non pas à cause du 13 novembre. Le 13 novembre fait partie de mon appartement dans la tragédie où il y a eu quand même des grands bonheurs. C'est une vie, hein. Tout le monde vit aussi avec ses hauts et ses bas et ses choses belles et moins belles. J'ai eu ma vie jusqu'à 20 ans d'adolescent, enfin adolescent, après ma vie d'adulte. Et puis là, une troisième vie à 60 ans. Je me suis remarié, j'ai un enfant, quelle chance! Il y a des traumatismes, bien évidemment, mais quelle chance! Je m'en sors pas trop mal. De repenser à ce voyage que j'avais fait à Jérusalem. J'avais sacrifié à la coutume en déposant un mot sur lequel j'avais inscrit mon numéro de téléphone portable. Si Dieu existe, il m'appellera, m'étais-je dit. Bien évidemment, il ne m'a jamais appelé. Mais je me plais à penser que ce 13 novembre 2015 à 22h01, lorsque la mort m'a frôlé, il m'a finalement répondu. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Been around for a long, long year. So many men sold away. The 13th of November 2015, remembered. Daniel Passeni and Mustafa Kassous. See their film again, of course, on our website, France24.com. This is Reporters Plus, France 24. Stay with us, but most of all, stay safe.